Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 10 juillet en Europe et du 9 juillet, donc parce que c'est entre les deux pour le Québec, Canada, Amérique, on va dire. Il s'agit plutôt du 9 juillet en soirée-nuit, puis bien sûr en Europe, ça sera le 10 juillet le matin, nuit aussi, mais disons le matin. Voilà, donc pour cette nouvelle lune, il y a des aspects. Très intéressant. Il y en a beaucoup qui sont, euh, on va dire, peu justes. Ça veut dire qu'ils sont peu précis. Mais il y en a beaucoup des aspects. Nous allons nous concentrer sur l'essentiel, ce qui est le plus précis. Et là, dans ça, euh, on va vraiment aller voir les deux conjonctions les plus importantes, bien sûr, qui sont évidemment celles de lune-soleil, qui forment toute nouvelle lune, qui se trouve là. Dans le signe du cancer à 18 degrés. Et on a aussi celles de Mars et Vénus qui sont à 15 et 17 degrés dans le signe du lion. Alors maintenant, chacune de ces deux conjonctions a des aspects importants. Lune-Soleil, ce seront des aspects qui sont, on va dire, peu précis. Ils n'ont pas d'aspect très précis, mais ils en ont quand même. Euh, mais comme c'est peu précis, on va se limiter sur le nombre d'aspects qu'on va regarder sur Soleil-Lune, pour se focuser sur principalement un sujet. Mais on va quand même garder en tête que Soleil-Lune en Cancer, donc, qui forme la nouvelle Lune, fait une opposition à Pluton dans le signe du Capricorne. Quand même, ça, on va le garder en tête. Pourquoi Parce que la conjonction qui est juste à côté en Lyon, de Mars et Vénus, hein, fait aussi une opposition, et cette fois-ci, à Saturne dans le signe du Verseau. Évidemment que pour Mars-Vénus, il y a aussi le carré à Uranus en, verso, en, pardon, en taureau, et donc ça fait le fameux triangle, le fameux carré en fait Saturne-Uranus qui tient toute l'année 2021 vraiment euh, dans sa main, là, qui pousse l'année 2021 beaucoup. Donc le carré Saturne en verso, Uranus en taureau, eh bien, s'ajoute euh, finalement à la conjonction Mars-Vénus, et ça fait un triangle. Euh, bien sûr, et Vénus et Mars ainsi que Saturne, les, les, ces deux, donc, donc ces deux points dans le ciel font les deux carrés à Uranus en taureau. Voilà, donc ça fait tout cet aspect. Mais on va remarquer quelque chose de très spécial, du coup, avec ce qu'on vient de nommer, que nos deux fameuses conjonctions, Soleil-Lune et Mars-Vénus, font chacune opposition à Pluton pour Soleil-Lune et à Saturne pour Mars et Vénus. Et là, je ne sais pas si vous commencez à voir quelque chose de spécial, mais ça commence à se dessiner sous nos yeux. Premièrement, ces deux conjonctions incluent une planète ou luminaire masculin et une planète ou luminaire féminine. Et les, en fait, dans chaque cas, ce sont des paires. Soleil et lune, on sait que le Soleil est masculin, la Lune féminine, ce sont les deux luminaires, ils travaillent vraiment ensemble, sont en conjonction en cancer. Et de l'autre côté, on a Mars et Vénus qui travaillent aussi ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente de la pleine lune du 24 juin, eh bien, allez la voir parce qu'il y avait déjà un travail entre Mars et Vénus. C'était comme séparé en deux grands travaux, Mars et Vénus. Et donc, c'est la suite de ça. La Vénus a rejoint Mars en Lyon. Et donc, on a finalement cette conjonction toute spéciale où Mars et Vénus, là, les deux polarités, mais dans un plan plus, plus dans le plan, on va dire, émotionnel, dans le plan du désir, des émotions, des sentiments. C'est comme si les deux font la paire dans ce plan-là, plus humain. Donc, on a le plan des luminaires avec Soleil-Lune, où les deux principes, masculin et féminin, sont réunis ensemble. Et pareil avec Mars et Vénus, les deux principes encore, qui sont réunis ensemble, mais dans un plan plus humain. Et donc, ces deux euh, couples, on va dire, de planètes, en conjonction, il y en a un en cancer et l'autre en lion. Eh ah bien, ça aussi, c'est une forme de couple parce que le cancer est gouverné par la lune dans l'absolu et le lion est gouverné par le soleil dans l'absolu. Et donc, on voit que simplement le positionnement dans ces deux signes, ce sont les deux signes qui sont gouvernés par les luminaires. Et donc, c'est pas rien. Hein? Il n'y a que deux signes qui sont gouvernés par les luminaires ce sont ces deux-là. Et il y en a un qui est masculin, bien sûr, et l'autre féminin. Et donc on voit que les conjonctions elles-mêmes se font dans cette paire de signes, on va dire. Et maintenant, on va rajouter à ça l'opposition d'un côté à Saturne dans le cas de Mars-Vénus et à Pluton dans le cas de Soleil-Lune. Et on voit que les deux qui sont en face, ce sont les deux qu'on va appeler en général les deux grands gardiens ou les deux planètes vraiment entre Saturne et Pluton qui ont un côté euh, qui vont vraiment garder, là, qui vont euh, réduire, couper un peu euh, les forces, qui vont, qui vont s'assurer qu'on va veiller sur des valeurs fortes, profondes. Euh, ce sont les deux planètes qui vont représenter quelque chose de, de très, euh, très caché finalement, très obscur, on va dire. Hein? Dans les sept planètes, si on prend que sept planètes et on n'inclut pas les trois planètes collectives, Uranus, Neptune, Pluton, eh c'est, dans ce cas-là, c'est Saturne qui a vraiment le rôle de la planète la plus sombre, la plus obscure. Euh, et dans le cas où on inclut des planètes collectives, ben c'est Pluton qui a ce rôle le plus obscur. C'est toujours le plus loin, en fait. À cette planète, pendant longtemps, avant que l'on découvre Uranus, Neptune, Pluton, eh bien, Saturne était cette planète qui était la plus loin. Et maintenant que Pluton s'ajoute, c'est Pluton qui est le plus loin. Donc, ce sont les deux planètes qui avaient cette espèce de rôle d'être finalement gardiens hein, de cette famille euh, du système solaire. Et voilà, les deux là sont euh, travaillent, les deux sont présents, font opposition à ces couples de planètes qui, en réalité, ces deux couples de planètes Soleil Lune et Mars Vénus forment, ce sont les deux seules couples de planètes personnelles possibles. Hein. C'est vraiment, ce sont les deux, les deux paires qui existent, les deux couples qui existent, les plus masculins, féminins de tout, toute notre famille solaire, finalement, de planètes luminaires. Donc voilà, on a vraiment donc ces deux forces de couple, de polarisation qui sont ensemble et qui font face chacune à un grand gardien, un grand gardien du système solaire. Saturne qui l'a été longtemps, maintenant Pluton, on voit vraiment que ce sont ces deux forces qui gardent. Et donc... Qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce qui ressort beaucoup, beaucoup de cette nouvelle lune Les polarisations, là, sont vraiment sous la loupe. On les sent plus que jamais. voyez le nombre de signes Soleil-Lune, la polarité en couple. Mars-Vénus, polarité en couple. Cancer-Lion, là où se trouvent ces deux euh, couples-là, eh bien, ils sont aussi en couple, sont inclus dans, dans, dans cette euh, disposition. Et après, on rajoute que chacun des deux couple de planètes, a en face de lui un des deux gardiens. Donc tout est impliqué là-dedans, dans des espèces d'oppositions très fortes qui viennent comme ça refléter et dire comme un miroir. Vous savez, euh, le miroir magique en Kabbalah, hein? c'est Da'at, c'est la séphirote qui correspond, la séphira qui correspond à Pluton. Et vous voyez, c'est cette espèce d'idée-là, cette espèce de reflet qui est présent comme si le couple, on nous le montre. On, on a un miroir devant ces deux énergies de couple. Et donc, c'est tellement d'une évidence grande, comme, comme Nouvelle Lune, à quel point il faut voir ces forces masculines féminin féminines, comment elles travaillent ensemble. C'est souligné beaucoup, beaucoup, beaucoup. À ça s'ajoute, bien sûr, Uranus qui fait ses carrés. Hein? Uranus en taureau qui fait ses carrés là. À la conjonction Mars-Vénus et Saturne. Donc, lui qui vient bien sûr s'assurer que tout ce travail vient s'ancrer dans le matériel alors qu'il n'y était pas. Et Saturne, lui en verso, dans cette configuration-là du triangle avec Uranus, eh bien, lui s'assure que ses, euh, euh, ses pensées du verso commencent à s'ancrer dans la matière, dans le concret. Donc, voyons un petit peu. La force de ces aspects, bien sûr, on se rappelle aussi que Jupiter est toujours en retour du poisson, donc il y a cet enseignement du, de l'air du verso qui, qui vient, on a fait des vidéos là-dedans dans le passé, dans les trois dernières, on va dire. Et bien sûr, Neptune en poisson, toujours qui fait ses aspects. Son aspect principal, Neptune en poisson, cette fois-ci, c'est le carré à Mercure en gémeaux. On ne va pas trop parler de ça, c'est juste pour dire que Neptune reste quand même actif et a une action sur notre mental, notre pensée. Et toute cette force continue finalement à ancrer des idées nouvelles du Verseau. Ça veut dire ce que l'on a besoin pour l'air nouveau qui vient là cette année. Vous vous rappelez avec le carré Saturne Uranus, c'est ça qu'on disait tout le temps. Cette année, on nous envoie des notions comme ça, et c'est ce que l'on reçoit sans arrêt là pour cette année. Et donc dans ces notions cette fois-ci, c'est une évidence que nous recevons des notions sur cette question du couple, ça veut dire des polarités, des polarités en nous-mêmes entre masculin et féminin. Et c'est ça qui vient s'ancrer dans la matière le plus possible en nous. Donc là, dans cette vidéo de Nouvelle Lune, c'est le sujet que l'on va approfondir ensemble. Donc un, un sujet qui est très vivant, il s'est présenté euh, déjà. Euh, Hier, moi, il est venu et aujourd'hui, euh, continue de s'approfondir. Donc, allons le voir ensemble à quel point ces forces de polarisation nous sont montrées. Vous voyez à quel point ça a été souligné trois fois hein, dans cette présentation-là, entre les, un couple, deux couples, les signes Cancer-Lion cancer qui font un couple aussi comme tel, et en plus une quatrième fois finalement, parce que c'est en face de ce miroir magique de Pluton. Et Saturne qui prête main forte pour, euh, pour rehausser finalement ce miroir magique aussi, parce qu'il a aussi ce rôle de cette limite, le fond euh, de ce système solaire, puisqu'il l'a représenté très longtemps. Donc vous voyez à quel point quatre fois c'est souligné. Uranus lui vient juste s'assurer que ça s'ancre. Vous voyez la stratégie, comment, comment les astres sont placés dans cette fameuse nouvelle lune. C'est très puissant. Donc allons voir un petit peu finalement. On avait dit dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Euh, justement, je crois, c'est quand Jupiter faisait son entrée en poisson, là, ça peut-être un mois ou un petit peu plus, mais bon, il y a très peu de temps, on avait parlé que toute la science initiatique, on va dire, toute la science, on pourrait aussi nommer ésotérique, là, eh bien, elle peut se résumer à la science des deux principes, la science du masculin-féminin, comment comprendre tout ça, les polarisations. Là, on nous montre clairement qu'il faut qu'on se penche sur ce sujet. Hein? J'ai bien démontré comment c'est souligné quatre fois, je pense que c'est clair pour tous. Donc, voyez à quel point dans cette nouvelle lune, c'est souligné beaucoup, 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 beaucoup. Et là, on a un moment pour oser finalement ouvrir ce sujet davantage, un petit peu plus. Parce que ça veut dire quoi cette science de la polarisation, cette science des deux principes, de comment travailler avec les deux principes et comment ça se fait que la science initiatique pourrait être résumée simplement dans cette approche, dans cette science. On va donner quelques notions là-dessus pour doucement s'approcher de ça parce que cette nouvelle lune, eh bien, du 10 juillet et 9 juillet 2021, elle est faite pour ça. Donc, je vais donner une image pour commencer c'est l'image que dans toute situation dans toute situation si on se prend soi-même avec quoi que ce soit autour de nous eh bien on va dire que nous nous polarisons avec l'autre chose qui est en face de nous que ce soit une personne que ce soit une situation à laquelle on pense parce que c'est même pas obligé d'être quelque chose de physique ça peut être juste une émotion ça peut être une pensée ça peut être des paroles que l'on reçoit ça peut être vraiment une personne ça peut être un animal une plante ça peut être toutes sortes de choses. Et donc, pour toute chose qui existe, que ce soit dans un plan visible ou invisible, nous nous polarisons à cette chose. Qu'est-ce qu'on entend par là Il faut imaginer que de tout notre être, sur tous les plans de notre être, et là, je ne sais pas combien de plans de l'être humain est-ce que chacun est conscient, mais ça, ça va changer. Parce que l'être humain est très complexe, il a beaucoup de plans. Évidemment, on va parler en général d'un côté physique. D'un hein? plan physique, un corps vraiment physique, ça, oui, ça existe. Évidemment, ça, la plupart, on est quand même au courant de ça. Euh, mais quand même, après, il y a bien sûr le plan émotionnel, ça aussi, on connaît quand même. Puis il y a le plan aussi des pensées. Mais après, dans chacun de ces plans, il y a plein de subtilités. Il y a des régions plus basses, il y a des régions plus élevées dans chacun de ces plans. Puis après, si on pousse un peu plus loin, il y a aussi des corps plus spirituels, mais qui sont souvent moins développés encore chez nous pour le moment. Mais quand même, il y a beaucoup de plans à l'être humain. Donc, imaginons que dans chacun de ces plans, il y a plein, pour chacun des plans, il y a une espèce de, on va donner une image vraiment matérielle pour que ce soit plus facile, il y a vraiment comme une, comme un, vous savez, vous avez sûrement déjà vu un, un, un câble, un, un genre de câble fait de plein, 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 plein de fils. Il y a, je ne sais pas moi, peut-être 100 fils petits en roulant ensemble, qui font un, finalement un gros câble. Et là, au bout, il y a une prise euh, euh, qui, qui correspond à ce que chacun de ces fils sont placés précisément dans cette prise particulière, hein, dans certains appareils électroniques. On peut voir des fois des choses comme ça. Euh, ou en électricité aussi, là on peut voir des choses du genre. Et donc, il faut imaginer que c'est un peu comme ça pour chacun des plans de l'être humain. Comme s'il y a plein de fils différents, on va imaginer des milliers de fils différents dans l'être humain qui représentent un certain contact avec certaines choses en nous, certaines énergies. Et là, eh bien, on va brancher ce fil. Et en fait, sur tous les plans, c'est comme si tous ces fils sont tous ensemble dans une seule prise. Et on va brancher cette prise à la chose qui est devant nous. Il faut imaginer, c'est un peu ça. Pour comprendre la polarisation, c'est une belle image. On va brancher cette prise, donc, dans laquelle on sait qu'il y a des milliers de fils qui sont placés à des endroits stratégiques dans cette prise, qui va aller sur la prise qui est pareille, mais de la chose qui est devant nous, qui a certains plans. Peut-être qu'il y a certains plans qu'elle n'a pas, mais on va la brancher exactement là où ça correspond. Dans notre prise à nous en tant qu'être huma, qu humain, comme s'il y a une prise humaine, on va imaginer, où tous nos fils de tous nos corps sont reliés. Et là, on va connecter ça. Et dans cette connexion, on va choisir dans quel fil on va mettre du courant, on va être émissif, et dans quel fil on va être réceptif. On va recevoir quelque chose de l'autre chose ou personne ou émotion ou pensée qu'il y a devant nous. Et et c'est ça. Et ça, ça vient toucher plein de centres différents en nous. Et c'est un peu ça la science de la polarisation masculin-féminin. Est-ce qu'on va être émissif ou réceptif? Mais ça se passe simultanément dans plein de plans différents dans notre être. Et dans chacun des plans, il y a plein de petits détails là-dedans. Sur tel petit aspect, je vais être réceptif. Sur tel petit aspect, je vais être émissif. Et puis, on va affiner finalement. Cette prise, plus on a de fils différents, plus on a une vision large de des de échanges qu'on peut avoir avec les autres, et plus on peut avoir une finesse de polarisation parfaite qui fait que l'on reçoit ce qui est valable et que l'on donne aussi ce qui est valable pour l'autre, et on a un échange comme ça avec toute chose. Faut imaginer qu'on a ces échanges. Donc vous comprenez pourquoi Soleil et lune ensemble Mars. Vénus ensemble, ça amène ce genre de sujet. Parce que chaque fois, c'est une polarité négative, positive, émissif, réceptif, qui se place partout. Ce sont les deux principes, homme-femme. Dans le corps de l'homme et de la femme, au niveau de la sexualité, c'est tellement clair. Hein? On le voit, tout le monde comprend ça. Eh bien, cette même image qui est là dans la sexualité homme-femme, elle se retrouve dans tous les plans. Et des fils comme ça, il y en a plein dans l'être humain. Et c'est ça qui se passe. Quand on se branche l'un à l'autre, eh bien, tous les plans sont, on tient compte de tous les plans. Et donc, quand on se branche à quelqu'un, par exemple, on va donner maintenant des exemples. Quelqu'un qui est spécialement grossier, hein, qui utilise des mots euh, vraiment lourds, et qui va aussi, euh, qui n'a pas beaucoup de respect pour nous. Quand on se branche à cette personne et on n'a pas le choix de se brancher, on ne peut pas ne pas se brancher. Il y a une polarisation qui se fait, on, peut, on ne peut pas la nier. On va, si on la croise cette personne et si elle vient en plus nous agresser, là, on n'a pas le choix. On se branche. Mais dans le branchement, on choisit qu'est-ce qu'on ouvre et qu'est-ce que l'on ferme. Où est-ce que nous, on donne Où est-ce qu'on coupe carrément Ça veut dire qu'on choisit de, de ne pas avoir la communication à cet endroit-là. Et où est-ce qu'on l'en reçoit Évidemment, pour certaines personnes, on ne veut pas recevoir beaucoup. Donc, on va émettre. Dans plein de plans, on va aussi fermer certaines portes et on va recevoir des peut-être des petits bouts euh, quand même parce qu'il faut quand même pas être euh, trop fermé sur soi. Donc c'est possible. En général, c'est quand même bon dans un petit échange, mais il faut vraiment choisir où. Il faut vraiment choisir où est-ce qu'on crée cet échange pour qu'il y ait une circulation, une communication qui soit intéressante. Donc ne, surtout ne pas ouvrir n'importe quoi. Et donc quand même, il y a un petit bout qui va en général nous toucher. Si on est capable, par exemple, il y a un passage comme ça de quelqu'un un peu euh, voilà, difficile, là, qui, ne, qui ne nous correspond pas du tout, qui passe, eh bien, oui, on va se connecter, mais que, où est-ce qu'on va être réceptif? Ça peut être réceptif dans un plan de nous, mental peut-être, qui va recevoir l'énergie de l'autre pour être capable d'interpréter le symbole que ce passage de cette personne représente pour nous dans cette journée. Sur ce plan, on va recevoir sur ces quelques fils qui touchent cette espèce de notion. On va recevoir comme ça. Et donc, il faut être conscient de ces fils, il faut être conscient de ces échanges, de cette science finalement de la polarité en, que l'être humain en fait possède. Parce qu'il en a plein des fils, l'être humain. On a la joie quand même d'être des êtres, d'être des êtres euh, assez exceptionnels à ce niveau-là. Parce qu'on a beaucoup de plans. On a beaucoup d'espace, on a plusieurs corps, on a une individualité, on a plein de forces en nous. Donc, on a beaucoup, beaucoup de fils très précieux. Et donc, cette science, finalement, elle est utile quand Eh bien, dans tout moment de notre vie. Regardez maintenant. En ce moment même, en ce moment, pour ceux qui écoutent, et en général, si vous entendez ma voix, vous écoutez, eh bien, c'est pareil. Là, on est connecté en ce moment. Vous êtes connecté en tout cas à cette vidéo. Est-ce que c'est moi exactement? Est-ce que c'est la vidéo? C'est l'énergie qui passe? Ça, après, Dieu seul le sait vraiment exactement ce qui se passe pour vous. Mais il y a une connexion qui se fait, ça c'est certain. Dans cette connexion, quel espace vous ouvrez? Quel espace est comme neutre? Puis quel espace où vous avez une certaine émissivité envers cet espace? Souvent, dans les commentaires, par exemple, on sent très bien qu'il y a une émissivité. Même si vous êtes à la base, en général, si vous écoutez une vidéo comme ça, vous allez être polarisé de façon réceptive. Mais il y a une partie de vous qui est émissive quand même. Il y a certains des fils qui vont être émissifs. Et ces fils-là, eh bien, ce sont eux qui font qu'après, en général, vous avez un commentaire. Vous allez écrire un commentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de votre polarisation intérieure. Qui reste quand même émissive, qui veut donner quand même quelque chose par rapport à ce que vous recevez. Vous comprenez la subtilité de toute cette affaire. Et donc, par exemple, là, avec cette, euh, le YouTube, là, ce qu'on fait en ce moment, eh bien, à travers les commentaires, on voit très bien le type de polarisation de chacun. Et quand quelqu'un met un commentaire, justement, on peut percevoir son type de polarisation. On ne voit pas tout, mais ça nous donne une idée déjà. Et ça, c'est très important. Pensez, par exemple, on parlait, on a parlé beaucoup hein, dans certaines vidéos de des grands maîtres spirituels. Imaginez que l'on rencontre euh, le maître spirituel qui vous touche le plus personnellement, de n'importe quel mouvement que ce soit. Le gros cliché, moi j'ai tendance à prendre Jésus parce que dans mon entourage proche, il est comme le plus connu hein, en général. Mais euh, ça dépend vraiment où vous êtes, hein, ça peut être n'importe quel prophète. Euh, Grand maître, initié, saint, voilà ce que vous voulez. Euh, imaginez que cet être serait là devant vous, là, ou, ou que vous le rencontrez quelque part et vous le voyez. Mais quelle sera votre polarisation envers cet être? Quel fil sera réceptif en vous? Et pensez à tous les plans. Émotionnellement, comment vous êtes? Dans la pensée, comment vous êtes? Et c'est extrêmement subtil, cette science. Là, ça a l'air simple, on en parle un peu comme ça, mais je vous dis, c'est un sujet gigantesque. C'est gigantissime et ça change tout. Parce qu'un être avancé, s'il veut nous donner quelque chose, il faut que nous ayons de la polarisation qui le puisse le permettre. Et c'est extrêmement subtil, parce que tant que l'on n'a pas ça, comment peut-on recevoir les trésors? Même des plus grands êtres. Imaginez-la. Le plus grand maître de tous les temps vient, passe près de vous. Comment, comment est-ce que vous allez vous polariser Il pourrait vous donner les trésors les plus grands de tout l'univers. Et il passe à côté de vous. Si vous n'avez pas la bonne polarisation, peut-être que vous ne le sentirez même pas. Peut-être vous ne le reconnaîtrez même pas. Parce que la polarisation en vous, cette espèce de prise, cette... Euh, vraiment cette prise à fil multiples, des milliers de fils, eh bien, si elle est placée d'une façon que si vous rencontrez un être avancé, vous ne pouvez pas le rencontrer, le, vous, vous rendre compte qu'il est avancé, eh bien, c'est d'une évidence que vous ne recevrez pas grand-chose. C'est aussi simple que ça. Et donc, cette polarisation intérieure est extrêmement importante. Et donc, quand on travaille sur sa polarisation intérieure, il y a des choses, il y a des choses vraiment clés à placer, comme... Justement, essayez de placer d'avance en nous une polarisation qui fait que si vous rencontrez quelqu'un d'avancé, que vous puissiez le reconnaître. Comment on fait ça Ça veut dire qu'il faut toujours avoir un fil qui est prêt à vérifier l'avancement d'un être, à vérifier la qualité. Ça veut dire un fil qui est réceptif à une qualité très élevée de vibration. Et ce fil doit être toujours réceptif, même si autour ou près de lui, il y a des fils qui sont émissifs. Ce fil-là, s'il est toujours allumé, eh bien, si lui reste toujours réceptif et qu'il n'est jamais mis au neutre, parce qu'autour, il y a tellement d'émissivité que le, finalement, ce fil, euh, il a été annulé, il a été comme mis au neutre, si on veut. Ou, ou même, il a été mis émissif en plus, là, ça c'est encore pire. Mais voyez un peu, si vous avez ce fil toujours réceptif, eh bien, Dès que vous rencontrez quelqu'un qui a des vibrations très élevées, vous allez le voir. Mais il faut que, que vous ayez cette réceptivité-là précise. Ça veut dire que vous soyez un peu à l'affût de vous dire, j'aimerais voir une énergie comme ça. Alors pour ceux qui sont occupés, par exemple, à dire, lui n'est pas bien, lui n'est pas bien, lui n'est pas bien, etc., puis qui sont habitués à juger beaucoup, en général, ce fil-là qui permet de reconnaître le précieux, il va se faire, euh, pas corrompre, là, mais il va se rendre émissif ou neutre en général. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à recevoir ce qui est précieux. Et ça, c'est tout un piège. Parce qu'imaginez quelqu'un, par exemple, qui a déjà reconnu, parce que ce fil a déjà été réceptif, et il a réussi en plus à reconnaître une source extraordinaire. Et il a même quelqu'un, on va dire, qui a un maître spirituel ou qui a euh, quelqu'un qui le guide dans le plan spirituel. Et qui a vu ça à un moment donné, il a vu réceptif. Mais si après il entre dans une énergie de oui, la personne qui me guide c'est le meilleur au monde, c'est le meilleur maître au monde, etc. Eh bien après, s'il entre là dedans et que les autres, il va toujours trouver moins bon, moins bon, moins bon. Il y a un discrédit qui se fait. Eh bien, vous comprenez qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe Sa polarité intérieure est en train de changer. Et en réalité, ce fil qui était réceptif ne l'est plus. C'est comme si en dedans, la polarité est émissive là-dessus. Là, vous voyez ce qui s'en vient Ça veut dire que même par rapport à son propre maître spirituel, cette même personne qui extérieurement défend son maître spirituel et dit Mon maître spirituel, c'est le meilleur au monde et les vôtres sont tous moins bons, on va dire, eh bien, malgré qu'elle le dise dans ses paroles, intérieurement, elle ne reçoit plus l'exceptionnel de son maître spirituel, le côté vraiment élevé. Vous voyez ça C'est un piège énorme. C'est un des pièges que vous voyez on a mis en lumière là en quelques instants. Mais il y en a comme ça partout parce que c'est la même chose aussi en amour par exemple. Vous êtes en couple, vous êtes en relation amoureuse. Eh ben il y en a des fils là qui sont là. là. Il y en a hein? et c'est toujours ils sont tous toujours là les fils. Mais là vous êtes vous êtes en, en relation amoureuse et tous les fils sont connectés. Et là, vous savez exactement, oui, tel fil je reçois, tel fil je donne, tel fil comme ci, comme ça. On a des mémoires de d'autres relations, évidemment, qui affectent ces fils, qui font en sorte que certains fils qu'on aimerait qu'ils soient réceptifs ne le sont pas, qu'on aimerait qu'ils soient émissifs ne le sont pas. Hein, parce qu'on n'est pas, pas parfait dans notre polarisation, parce que tant qu'on ne l'a pas travaillé vraiment beaucoup, on n'y est pas. Et donc, il y a plein d'échanges qui se font un peu à côté, parce qu'on ne donne pas la bonne chose, et on ne reçoit pas non plus la bonne chose. Et donc, on est dans un échange toujours un petit peu à côté de ce qui serait parfait. Et là, honnêtement, j'inclus tout le monde là-dedans, hein. même les couples où ça va très bien, malgré tout, pensez-y un tout petit peu, vous allez voir. Il y a des choses qui ne sont pas parfaitement placées. Et donc voilà, la science de la polarisation fait en sorte que, oh, on regarde la situation, on regarde l'échange et on se dit, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui est resté sur un point mort. Et on essaie de voir justement ce que l'on souhaite là-dedans. Qu'est-ce qu'on aimerait recevoir de l'autre, du partenaire, et qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir aussi lui donner. Et on voit exactement qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que l'autre ne reçoit pas. Et plus notre sensibilité, parce que là, la nouvelle lune est en cancer. Hein? Et donc, on est dans le signe le plus sensible de tous les signes. C'est le signe hypersensible, c'est le signe du cancer. Et donc, c'est un moment parfait pour sentir ces connexions. Parce que quand on est dans un signe qui pousse beaucoup, des fois, on le sent moins. On sent l'énergie qui sort de nous, mais on a, le, le cancer est parfait pour aller écouter, écouter ce monde. Aller écouter ce monde de ces échanges en nous. Aller vérifier qu'est-ce qui a entré, qu est entré, qu'est-ce qui est sorti, etc. Dans tous ces petits fils en nous, d'aller vérifier tout ça. Et on le voit, la meilleure façon aussi pour apprendre sur la, polarisa la polarisation, comme ça, c'est de vérifier avec les gens qui nous entourent. On regarde une personne et on essaie de comprendre où est-ce qu'elle est émissive, où est-ce qu'elle est réceptive. Et on y pense plusieurs fois. On scanne un peu comme 300 fois s'il faut, plusieurs fois, pour essayer de comprendre où est-ce que la personne donne, où est-ce qu'elle reçoit. Comment est-ce qu'elle travaille dans ces plans-là? Et ça va très très loin, cette affaire. Hein? Vous comprenez que c'est comme ça avec absolument tout. Vous comprenez bien que moi-même en ce moment, qui donne un message astrologique, à quoi suis-je réceptif et comment suis-je émissif? Évidemment, ce n'est pas parfait. Je travaille dessus toujours. Mais c'est bien sûr à la base de ce que je fais, ça. Hein? Dans un travail comme ça de transmission. Évidemment, c'est ce qui compte le plus. Où est-ce que je suis émissif? Où est-ce que je suis réceptif? Où est-ce que c'est un peu neutre? Parce qu'il y a des endroits qui n'ont pas à être en jeu en ce moment. Donc, vous voyez. C'est toute cette toile de choses dans toutes les situations de notre vie, au travail, à la maison, au vécu familial, dans, dans tout là, ce qu'on peut imaginer comme situation, c'est toujours un sujet qui peut résoudre tous les problèmes. Vous voyez à quel point c'est clé la science de la polarisation et cette nouvelle lune nous invite très fortement à nous sensibiliser à ça. Imaginez maintenant. Des questions, vous savez, les questions chaudes de notre société, du genre. Euh, euh, c'est toute une transition maintenant avec euh, euh, tout le, le côté de la sexualité, les ouvertures, le, le côté euh, transgenre, l'homosexualité, tous ces domaines de la sexualité qui sont tellement forts, c'est tellement. C'est chargé comme genre de sujet. On ne peut pas faire, même si on veut comme s'ouvrir, comprendre, accepter tout ça, quand même, on voit que c'est chargé. Pourquoi est-ce que c'est chargé comme sujet Parce qu'on touche cette science de la polarisation. Où est-ce qu'on est émissif Où est-ce qu'on est réceptif Dans tous les plans. On essaie de se faire croire que c'est que physique, mais ben, du tout. C'est dans tous les plans que ça se passe. Et donc, dans tous ces plans, qu'est-ce que l'on émet Qu'est-ce que l'on reçoit Selon notre nature profonde, parce que ça aussi, ça va jouer. Que l'on soit un homme ou une femme, eh bien, en général, dépendamment de nos corps euh, subtils, eh bien, la plupart du temps, on a certaines polarisations de base qui sont déjà là, puis on a des forces naturelles euh, qui sont plus fortes qu'autrement, si on veut. Et donc, c'est de sentir tout ça. Ces forces-là, comment est-ce qu'elles se placent? Comment on a l'habitude d'utiliser ces fils Ça veut dire, disons qu'on a quelque chose en nous qui est naturellement émissif, mais qu'on a une tendance intérieure à l'utiliser de façon réceptive. Eh Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Allons voir les autres fils autour. Ça veut dire, peut-être que là, ça ne veut pas grandir. Je ne sais pas si vous suivez bien là, parce que c'est peut-être subtil, mais imaginez par exemple, c'est ça. On a comme ça une tendance à être réceptif là où on devrait être émissif naturellement. Eh bien, faut regarder un peu autour. Qu'est-ce qui se passe autour Ça veut dire les fils qui qui vont être connexes à ça. Pourquoi Il y a une raison et c'est correct. Les raisons sont toutes bonnes. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Faut aller les voir, comprendre et sentir ce qui nous fait réellement du bien dans toutes ces polarisations-là. Très souvent. Il y a quelques fils autour de nous. On a eu très peur, par exemple. Hein? On, a, euh, euh, on a eu une, une peur particulière. Puis là, whoop, il y a des fils qui se sont comme fermés. Ils se sont, euh, ils se sont fermés. Ils se sont soit mis sur le neutre, soit ils sont que réceptifs, mais une réceptivité un peu étrange. Et donc, ils se sont un peu fermés. Et si ce sont des fils, ça veut dire des sujets, hein, des types d'énergie d'échange qui sont connexes à autre chose, qui est très important pour nous, eh bien, évidemment que ça a une influence énorme et que ça va influencer totalement la, la polarisation de ce fil très spécifique. Suivez un peu le genre de sujet. C'est peut-être subtil là, mais c'est un sujet subtil. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour ça que c'est la nouvelle lune en cancer qui l'amène. La nouvelle lune en cancer, c'est une nouvelle. Parce que le cancer, lui, il est subtil. Il est. Il a vraiment un. Euh une sensibilité élevée, et pour aller toucher ce sujet, il faut utiliser notre sensibilité, il faut rentrer dans notre monde intérieur, dans ce monde doux, -là, dans ce monde sensible en dedans où on est extrêmement vulnérable. Toucher ce sujet de la polarisation, on ne l'entend pas tellement souvent, hein? euh, je ne sais pas si vous regardez beaucoup de vidéos là sur des sujets, on va dire, de développement personnel, très rare, très très rare qu'on entende parler de cette multiple polarisation. Par rapport à tous les, les éléments de notre vie, par rapport à l'autorité. Comment, comment on est ces fils, puis il n'y en a pas qu'un, hein? mais tous les fils qui nous relient à la dimension de l'autorité en nous, pour tous les sujets imaginables, hein? mais prenons l'autorité. Il y a plein de fils reliés à l'autorité. Comment est-ce qu'on se polarise? Si on a peur de l'autorité parce qu'on s'est fait justement écraser, eh bien, il y a un paquet de fils qui ne peuvent pas être émissifs, premièrement. Ils vont être soit réceptifs ou comme écrasés, comme mis sur le neutre ou coupés, on pourrait imaginer. Et donc, ils sont soit non fonctionnels ou réceptifs. Parce qu'on a eu une peur un jour, ça a été marqué, toute notre polarisation, si on veut, notre magnétisme dans ce monde a été euh, poussé de cette façon. Donc, évidemment qu'avec l'autorité, ça va être compliqué, c'est sûr, parce qu'on n'a pas accès à avoir une émissivité saine envers l'autorité. Donc, s'il ne reste que deux, trois fils dans un coin <laughs> qui peuvent être émissifs, euh, puis là, quel coin est-ce que c'est? Il faut aller voir intérieurement, là. Quel coin est-ce que c'est, ça, ces fils-là? À quoi ils correspondent, hein? Donc, on va aller voir là, ces, ces bouts-là. Mais s'il n'y a que eux qui sont émissifs, eh bien, des fois, ça donne que ces fils vont être extrêmement émissifs. Ils vont, ils vont comme donner trop, là. C'est comme s'ils doivent, ils doivent prouver tout le reste, de cette polarisation, on va dire qu'il y a un paquet de fils gros comme ça qui est relié au sujet d'autorité, à tout ce qui est autorité autour de nous, et eh ben, si tu as trois quarts de ça qui est comme endommagé, on va dire, par certains vécus, et eh bien que la polarisation ne peut pas être naturelle, saine, une circulation d'énergie saine, noble, belle, évidemment que ça va être compliqué de gérer avec quelques petits fils. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller regarder justement la polarisation de toutes ces petites choses et voir comment je me positionne avec cette énergie, le voir, le ressentir, et voilà, avoir cette sensibilité du cancer pour aller voir en hein, dedans. Aller avec précision voir notre ressenti par rapport à un sujet, ne pas dire juste un mot. Voilà, donne-moi un mot par rapport à l'autorité, puis ça dit tout. OK, pour le moment, ça dit tout, et sur le moment, on peut faire un travail avec ça mais dans notre vraie vie, notre vraie réalité. Disons qu'on va en thérapie, puis que le thérapeute nous dit dis un mot sur tel truc. OK, ça peut être utile sur le coup, puis après, on peut avoir compris bien des choses avec ça. Très bien, pas de problème. Mais, si on veut aller vraiment dans notre vie intérieure, puis avancer beaucoup, il faut aller voir tous ces petits détails. Tous ces détails de la polarisation, il y en a beaucoup, des fils, il y en a plein. faut pas penser qu'on a, qu on a, on a résolu le problème en... Une petite réflexion. Mais non! Des filles, il y en a plein! On a des situations, on est proche de quelqu'un, et là, soudainement, quelque chose nous éloigne énormément. Avec cette personne, il n'y a pas une seule raison du pourquoi c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'après, on va aller chercher des fois en spiritualité des raisons comme « Ah oui, mais karmiquement, c'était l'ami de... Il, il vous est arrivé un truc horrible dans le passé. » Puis on essaie de se convaincre avec cette petite raison-là du passé. C'est gentil, mais ce n'est pas suffisant pour faire un vrai travail. Pour faire le vrai travail, il faut aller voir tous ces fils. Il faut tout aller voir, parce que la polarisation, c'est grand, c'est complexe, c'est précis. C est, c est, il y a beaucoup d'énergie qui circule dans l'être humain. Et si plus on va en regarder de ces forces, plus on va en regarder des forces différentes, eh bien, plus, plus la polarisation pourra être efficace. Et dans certaines situations, plus on pourra donner de façon grande, précise, et que le courant passe vraiment. Et dans d'autres situations, plus on pourra recevoir de façon vivante, et que ce que l'on reçoit est vraiment utile dans notre vie. Ce n'est pas qu'un dogme qui s'ancre et qui est ancré, et puis ça y est, parce que tous les autres fils qui vont avec, dans tous les autres plans, étaient aussi connectés de la bonne façon. Et donc on a pu recevoir, oui, une information, mais on l'a vivifiée de telle sorte qu'on l'utilise après dans notre vie d'une façon très positive. Ça ne déclenche pas d'émotions négatives ou qui nous bloquent ou qui font quoi que ce soit, ni de pensées de cette sorte. Vous voyez, tous nos corps sont inclus dans cette idée de la polarisation et ça touche tous les domaines de la vie. On a vu le côté un peu relationnel amoureux, le côté autorité, euh, le côté amitié aussi. Vous voyez, c'est comme ça tout le temps, avec les enfants, les parents, avec leurs enfants. Combien de fils il y a? Hein? Il y en a tellement de fils qui nous relient aux enfants, à nos enfants. Pourquoi? Et on le sait, ça. Un moment, on les adore, on les adore, on leur donne tout, on est prêt à tout faire pour eux, et à un moment donné, ils nous énervent tellement, ça prend tout ce qu'il faut pour arriver à se maîtriser et réussir à avoir la bonne réaction, c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils différents. Il y a des fils différents. Et on n'a pas réussi peut-être à ce que certains fils aient la bonne polarisation. On est peut-être réceptif à un endroit où il faudrait être émissif. Hein? Vous savez, les parents qui vont permettre tout à l'enfant, par exemple, eh bien, qui vont donner aucun cadre. Eh bien voilà, des fils qui devraient être émissifs, mais qui sont réceptifs à un endroit où l'enfant n'a rien à donner. Mais c'est le parent, normalement, qui aurait quelque chose à donner, mais le parent... Il s'est passé quelque chose dans sa vie qui fait en sorte que là, sur ce sujet, il est réceptif, il n'est pas émissif. Et s'il était émissif d'une façon agréable, cadrée, belle, ça ferait du bien à l'enfant. L'enfant aurait ce cadre rassurant, agréable. Il n'a qu'à suivre le chemin, il est bien, il est heureux, il peut se développer, c'est super. Mais non, le, le, les fils n'ont pas été polarisés, on va dire, de la bonne façon. Donc, ça, il y a les enfants. Mais absolument tout, on a vu même les maîtres spirituels, comment se polariser un maître spirituel? Hein? Je vais ouvrir un tout petit peu le sujet quand même, parce que bon, je nomme les sujets, mais pour moi, ça me frappe tellement quand je les nomme que je ne donne pas beaucoup de détails. Des fois, donnons un peu plus de détails. On a un être comme ça avancé près de nous, qu'on adore, qui nous fascine. Eh bien, il y a des personnes, leur première réaction, c'est essayer d'être très près de cet être, parce qu'ils sont fascinés. Donc, tout leur fil de proximité, ils vont être réceptifs, ils en veulent, ils en veulent, ils sont réceptifs au maximum, mais ils veulent se coller finalement. Par réceptivité, ils veulent se coller à l'être. Parce qu'ils trouvent ça tellement exceptionnel, le réflexe, c'est être réceptif partout à cet endroit-là. Ils reçoivent partout, dans tous les plans. Même dans le plan physique, ils veulent être près de cet être. Il y en a même qui veulent se marier avec cet être, ils veulent, ils veulent tout là. Et donc, ils se collent. Eh bien, cette sens, est ce réflexe, est-ce que c'est vraiment le bon? Hein, on dit, mais oui, il faut, faut aimer au complet cet être. Je comprends. Mais c'est quoi aimer au complet? Quelle est la polarisation de chaque partie de notre être qui fait en sorte que l'amour est l'amour le plus grand possible, l'amour le plus profond, qui nous donne la réceptivité la plus, la plus belle et qu'on capte les choses les plus grandes de cet être qui est à côté de nous? Voilà la question. Formidable. Là, après, c'est à chacun de sentir un petit peu. Hein? Parce qu'après, évidemment, c'est différent pour chacun. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous avons aussi des forces en nous. Nous sommes arrivés quand même avec certaines forces. Et du coup, dépendamment de nos forces, parfois, il faut être émissif parce qu'on a un cadeau à donner à certains endroits. Et il faut calculer exactement quelle force doit sortir, quelle force doit-on vouloir recevoir. Pour influencer une personne, ah ouais, donc là, c'est par rapport à soi-même, hein? la polarisation par rapport à soi-même. Mais imaginons maintenant qu'on se polarise avec quelqu'un, eh il faut savoir que cette personne, elle, elle a sa polarisation déjà. Et des gens qui travaillent sur leur polarisation sur tous les plans dans les échanges, c'est très rare quand même, parce que ça prend une grande sensibilité, parce qu'il faut aller le voir, il faut aimer aller voir ça. Il ne faut pas sentir qu'on essaie de se contrôler, parce que ce n'est pas ça du tout. On essaie juste de vivre la plus belle chose possible. Donc, ce n'est pas qu'on essaie d'être surcontrôlé du tout. De toute façon, on ne peut pas le faire. De toute façon. Et donc, une... il s'agit juste de tâcher d'avancer dans nos échanges avec les autres. Et donc, évidemment, que la personne en face, elle a déjà sa polarisation. Et donc, quand on se polarise à quelqu'un, on arrive avec nous, notre prise, si on veut, puis là, whoop, on se connecte. Et là, on voit l'autre, c'est quoi? Et là, on sent l'autre. Quand on sent l'autre où est-ce qu'il est, eh bien, là, on voit qu'est-ce que l'on peut donner. Et là, il faut réviser le plan, très souvent. Il faut réviser un petit peu parce que, ah, ici, il n'y a pas de réceptivité. Ici, non plus. Ah, ce fil a été coupé. Lui aussi. Hmm, zut, qu'est-ce qui reste euh, Ce fil-là, OK. Lui, il existe. Il est toujours encore viable, on va dire. Pour certaines personnes, c'est compliqué, des fois, parce qu'elles ont tellement, elles portent tellement soit de stress, soit de. de une éducation qui a été trop difficile ou des choses comme ça, il y a plein de, de circonstances qui font en sorte que pour recevoir de l'autre côté, c'est complexe. Alors il faut adapter après notre propre façon de se polariser. Donc avec chaque personne, évidemment, ça va être bien sûr différent. Et donc pour chacun, c'est différent comment on, il est souhaitable de se polariser. Mais après, chaque personne, face à toute autre personne, c'est pareil. Ça va être pareil, ça va être... À s'adapter à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est un sujet quand même qui est extrêmement profond. Et donc, j'espère là l'ouvrir un peu. Pourquoi Parce que dans cette ère du verso qui vient, eh bien, vous voyez, avec l'arrivée la, de Jupiter en poisson, il y a ces aspects-là de couple, de polarisation qui, qui se présentent de façon très, très marquée et qui nous démontrent que c'est le type de sujet pour l'ère du verso dont on n'aura pas le choix de s'occuper. Notre façon de nous polariser aux autres est une des preuves de ça, vous le savez, à quel point nous sommes envahis d'informations de tous les côtés. Je ne sais pas combien de courriels vous recevez, moi c'est gigantesque, et je pense qu'on est plusieurs à être dans cette situation, dépendamment de notre travail, de, de nos connexions, de nos amitiés, etc. Eh bien, nous recevons une, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations de nos jours parce que c'est si facile de, de, de communiquer maintenant. Eh bien, dans toute cette, récepte, cette ces échanges, il faut absolument travailler sur cette polarisation, surtout si on file vers un monde où, eh bien, tout est de plus en plus universel. On a maintenant des nouvelles de pays qu'avant on n'avait jamais de nouvelles. Mais maintenant, on reçoit aussi des informations de là. Il va y avoir des informations de partout et ça ne réduira pas. Et donc, comment on se polarise face à tout ça Vous savez, hein, maintenant avec l'ère de l'Internet tout puissant, euh, on va dire, eh bien, il y a, avec la 5G en plus qui arrive, qui va augmenter, hein, toutes ces choses et toutes les informations auxquelles on va faire face, ça va augmenter. Hein. C'est de plus en plus ça. Avec l'ère du verso, ça augmente. Et donc, il faut savoir, on dit souvent, hein, Comment la jeunesse va se développer, elle qui est en contact avec tellement d'informations, qui est complètement submergée. Il y en a plein qui parlent d'un stress plus élevé que la norme pour la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'elle est bombardée d'informations de toutes sortes. Elle a accès à plein d'informations sans arrêt différentes. Euh, C'est juste énorme. Comment va-t-elle apprendre à se polariser envers chacune de ces informations, de ces sources, de ces choses? Et on voit que... Cette science de la polarisation, on va dire intérieure, mais c'est aussi extérieur parce que c'est émissif émissif, mais de cette polarisation de l'être, on va dire, à quel point ça va être important pour l'ère du verso qui vient. Et ce petit séjour de Jupiter qui revient, la rétrograde, là, qui ressent en ce moment du poisson, qui retourne en verso, et on avait dit qu'il était allé chercher des perles en poisson pour l'enseignement de l'ère du verso, et là on se rencontre avec cette nouvelle lune. Du 10 juillet, 9 juillet 2021, qu'un énorme morceau de cet enseignement, c'est la science des deux principes, apprendre comment se polariser envers chaque force en nous, chaque petite subtilité, comment écouter un message sans que ça devienne un dogme et que ce soit vivant en nous. Pour ça, ça prend la bonne polarisation. Quelle partie de nous qui écoute Quelle partie de nous qui, avec cette écoute, est déjà active à placer des choses en nous. Donc, qui est émissive envers nous-mêmes, envers des ondes en nous-mêmes, pendant que l'on écoute un message, par exemple. Comment polariser toutes ces forces en nous, nos forces mentales, nos forces émotionnelles, astrales, nos forces éthériques, nos forces physiques, comment est-ce qu'on se polarise envers chaque chose Voilà. C'est extrêmement important. Si vous entendez des philosophies, des messages, tout ça, pour être capable de voir clair et savoir est-ce que ça a un sens vraiment? Est-ce que c'est juste, par exemple? Est-ce que c'est parfaitement juste ou pas? Il faut que ces fils soient très bien placés. Il faut être capable d'écouter d'une façon que l'on connecte l'information tout de suite avec une balance en nous, euh, on va dire euh, un endroit où les, 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 les points et les mesures sont exacts et qui peut tout de suite vérifier. Est-ce que c'est juste, pas juste Et whoop, on sent quelque chose. Et chacun a ses capacités aussi, donc du coup, chacun fait son propre filage là-dedans, à ses propres sensibilités. Voilà. Donc cette importance de comment est-ce qu'on se relie aux êtres, aux informations, aux choses, à tout enseignement, à toute forme de, de notion qu'on reçoit, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on en fait La partie de nous qui qui lit le côté symbolique. Tous ces fils qui sont faits pour ça, comment est-ce qu'ils sont polarisés? Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils sont mis au neutre? Est-ce qu'ils sont coupés? Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on reçoit une information, quelle partie en nous est allumée? Laquelle est réceptive? Laquelle va être émissive? Parce que quand on écoute, on dit souvent, hein, quand il y a un spectacle, par exemple, le public, c'est la moitié de la réussite du spectacle. Parce qu'il se polarise à ceux qui donnent le spectacle. Voilà, cette polarité, elle est subtile. Ceux qui sont dans, dans ce travail-là de, de, de spectacle, etc., le savent, que c'est moitié-moitié. Pourquoi Parce qu'il y a une polarisation des deux côtés et que tous les plans participent, des deux côtés. Et c'est ça la polarisation. Bon, je pense que le message est relativement clair. Donc, en gros, pour cette nouvelle lune, c'est une sensibilisation à ce travail. Euh, comment utiliser justement toute cette force de polarisation-là. Les façons d'y faire face dans la vie seront multiples, bien sûr, et différentes pour chacun, mais il y a cette qualité de polarisation compte tenu des deux couples. Hein? Soleil, lune, Mars, Vénus, cancer, lion, qui sont impliqués là-dedans, le miroir de Saturne et de Pluton, parce que notre polarisation-là, c'est comme si on nous la montre on a dit vous êtes responsable de ce que vous recevez. Vous êtes responsable aussi de ce que vous donnez puis de ce que vous déclenchez chez l'autre. Il faut être très 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 parce que c'est ça la polarisation. Ça nous fait nous rendre compte que c'est nous, par notre polarisation à l'autre, qui déclenchons des réactions chez l'autre, consciemment ou inconsciemment. C'est les fils qui font ça. C'est notre polarisation qui font ça. C'est pas nécessairement le geste. Le geste c'est un geste, mais après avec l'ensemble de tout ce qui est polarisé en nous quel effet ça aura sur la polarisation de l'autre. Et c'est tout un monde, en tout cas. Voilà. C'est le sujet de cette nouvelle lune parce qu'on a ce miroir de Saturne-Pluton qui nous montre comment est-ce qu'on se polarise. Qui nous montre, moi vraiment, j'ai étudié des enseignements spirituels extraordinaires, mais ça ne m'a jamais parlé. Eh bien, pourquoi? Hein? Pourquoi Est-ce que c'est tant ces maîtres qui sont à remettre en doute Est-ce que c'est eux qui ne sont pas bons Ou est-ce que c'est peut-être cette réceptivité-là, cette polarisation-là qui n'était pas tout à fait au point pour recevoir les messages, pour les comprendre, pour aller l'utiliser vraiment dans la vie de tous les jours Est-ce qu'on a écouté de la façon qui nous permet d'y arriver ou pas C'est un peu ça. La polarisation, et voyez à quel point c'est clé primordiale et essentielle pour l'avenir, parce que des informations, il y en aura juste de plus en plus. Donc, il faut être prêt à savoir se polariser à chaque fois. On va apprendre ça tranquillement, petit à petit, et on va voir à quel point c'est vaste ce monde. J'essayais de faire comprendre à quel point c'est vaste et à quel point il y en a des, des endroits en nous, des fils. Il y a plein de fils pour telle chose. On parle d'un sujet, il y a un paquet de fils là-dessus. On parle de tous les sujets, on a un peu leur propre fil quelque part. Et il faut, faut se connaître. Hein? Connais-toi toi-même, là. Il faut se connaître. Il faut se connaître dans nos polarités à nous. Qu'est-ce que l'on donne Qu'est-ce qu qu que l'on reçoit Comment on reçoit les messages des autres, etc. Voilà. Donc c'est un énorme sujet. Je vous souhaite que ce soit euh, très riche. Moi, j'avoue que c'est un sujet qui m'impressionne un petit peu personnellement parce que... Je sais à quel point il est grand, je sais à quel point il change nos vies. Si on apprend vraiment à écouter, ça veut dire avoir une polarisation grande par rapport à certaines euh, forces que l'on aime, eh bien, notre vie peut devenir tellement belle. Pensez aux êtres que vous aimez. Si votre polarité à ces êtres s'améliore, imaginez la qualité de toutes nos vies là, qui peut complètement... Euh, S'améliorer tellement du jour au lendemain, si on arrive à bouger cette polarisation intérieure et qu'elle se passe beaucoup mieux, juste dans l'être conscient, de savoir que c'est un vrai sujet, que c'est une science dans les plus belles qui existent, parce qu'elle peut changer tellement de choses tellement rapidement. Pensez surtout aux êtres que vous aimez. Quel fil vous pouvez changer? Un petit peu, comment améliorer certaines choses, comment oser un petit changement dans votre polarisation naturelle de base pour tâcher que eh bien, votre vécu avec ces personnes que l'on aime tant eh qu'ils soient encore plus beaux dans l'instant suivant. Il n'y a pas de fin à ce travail parce que la polarisation, je vous dis, il y a des milliers et des milliers et des milliers de fils parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes polarisés, nous avons un avis, oui ou non. On a plein d'avis comme ça sur à peu près tout. Et voilà, de les travailler et de les placer, de savoir quoi donner, quoi recevoir tout le temps, euh, ce n'est pas de le savoir intellectuellement, hein? parce qu'il n'y a pas que le plan intellectuel qui compte là-dedans, c'est tous les plans de l'être humain. C'est ça qui est extraordinaire. Ce n'est pas un sujet qui est trop intellectuel ou trop émotionnel. Non, non, c'est l'être humain au complet. On va les polariser, chacun des fils de... Tous les fils de ces plans, c'est juste extraordinaire et exceptionnel. Voilà. Pour moi vraiment, c'est un sujet. Euh, ça me touche en fait de le partager comme ça, plus publiquement là, ouvertement comme ça. Euh, il vient très fort en fait, ce sujet là pour cette pleine lune, cette nouvelle lune pardon du 10 juillet, 9 juillet 2021. Donc je sais pas jusqu'où ça va nous amener, mais c'est comme ça tout le temps pour tous les sujets. On sait, en la Covid, le sujet de la Covid. Voilà pour ce sujet. Comment est-ce qu'on se polarise par rapport à la COVID, par rapport à tous ces grands sujets-là autour de la COVID, les, les histoires de complot de toutes sortes? Comment, quelle est notre polarisation avec ces sujets-là? Est-elle réellement constructive? Est-ce qu'elle amène vraiment la nouvelle vie ou pas tout à fait? Des fois, on n'est pas très loin. Hein. On fait déjà un excellent effort, il y a juste certains fils qui seraient à changer certaines polarisations en nous, des petites choses, qui feraient que soudainement, oups, ça prend un sens énorme, tout ça. Voilà. Donc c'est un très grand sujet. Je, je souhaite que, que j'ai été suffisamment clair, en tout cas, pour que certains puissent en bénéficier vraiment, parce que vraiment, c'est très grand. C'est très grand. C'est un des secrets du signe du cancer, avec cette nouvelle lune en cancer. C'est d'avoir une sensibilité pour ce monde-là, de ressentir ça dans, dans notre intérieur, là, très précieux, très doux, profond du cancer. Quand toutes vos forces cancer, puis tout le monde en a, pas besoin d'avoir une planète en cancer, voire des forces cancer, tout le monde a tous les signes en, en chacun. Donc, toutes nos énergies cancer, d'aller les euh, ressentir comme ça, l'utiliser pour sentir, mais comment je me polarise par rapport à telle force? Voilà. Donc merci à tous pour votre attention, votre écoute. Bon travail avec ça. J'espère que c'est le début d'un énorme travail, Bien, probablement que je souhaite en tout cas pour plusieurs ce soit déjà commencé cette conscience-là de cette polarisation. Mais en tout cas, c'est juste un travail euh, gigantesque qui nous donne la clé de plusieurs, plusieurs complications, problèmes. Comment expliquer telle, telle, telle situation euh, Les clés sont là. Les clés vraiment sont là dans cette petite vidéo. Une clé assez exceptionnelle. Je ne sais pas à quel point le message a passé, mais en tout cas, c'est voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et très bonne nouvelle lune.